Et hey, yo, what's up tout le monde Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire un récapitulatif de ce qui nous attend dans le prochain DLC de Destiny. Alors vous le savez maintenant, il s'appellera bien The Taken King. Il sortira le 15 septembre prochain d'après le leak d'hier. Et aujourd'hui, un site appelé Konaku a encore sorti beaucoup d'informations. Donc apparemment, ce serait un de leurs lecteurs qui leur aurait euh, fait parvenir ceci et qui est apparemment très très bien. Euh, informé sur le contenu du prochain DLC de Bungie. Donc, tout d'abord, le prix du prochain DLC, je vais commencer par là parce que je sais que souvent c'est ce qui fâche. Le prix du prochain DLC sera bien de 40 dollars. Alors, vous le savez, dans les jeux vidéo, la conversion est très rapidement faite 40 dollars égale 40 euros. Donc, il faut savoir aussi pour ceux qui ont acheté le Season Pass au début du jeu, le Season Pass comprenait que le DLC 1 et le DLC 2. Donc, pour le prochain DLC, Bien évidemment, le Season Pass ne le prendra pas en compte. Il faudra soit racheter le DLC, soit peut-être que Bungie euh, nous permettra de pouvoir racheter un deuxième Season Pass. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que voilà, le premier euh, Season Pass à 35 euros ne vous permettra pas d'obtenir ce DLC-là. Je voulais vous faire aussi un petit écran comparatif parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est cher pour ce que c'est, etc. Alors voilà, ça c'est le à gauche, c'est le dernier DLC qui est sorti, et à droite, c'est notre, enfin, ça devrait être le contenu du prochain DLC voilà donc vous voyez que pour 20 euros notamment avec le dernier DLC on avait cinq nouvelles missions, un nouvel assaut, la prison des vétérans trois nouvelles maps de pvp, une quatrième pour ceux qui sont bien évidemment sur playstation et trois nouvelles factions dans le DLC qui sortira donc en septembre The Taken King vous devrez trouver 12 nouvelles missions, quatre nouveaux assauts, un nouveau raid, 6 maps de pvp Trois nouvelles doctrines, donc une par personnage bien évidemment. Un nouveau lieu, le vaisseau de la ruche, sur lequel on devrait pouvoir patrouiller. Trois nouvelles factions. Alors ça c'est entre, entre, encore à apprendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de sûr au, au niveau des factions. Et une nouvelle euh, race d'ennemis. Voilà, ça je ne l'avais pas mis à l'écran, mais il y aura bien normalement une nouvelle race d'ennemis. Alors je vous mets un petit screen. Donc ça c'est un screen qui était sorti avant euh, la sortie du jeu. Alors c'était censé représenter un vaisseau de la rue, donc c'est peut-être sur ce genre de lieu qu'on pourra euh, aller se balader lors du prochain DLC sur lequel il y aura des nouvelles missions, etc. Donc voilà, ouais, je voulais simplement vous le montrer pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le décor. Je vais maintenant vous parler des trois nouvelles doctrines. Donc bien évidemment, euh, il y en a une par perso comme je vous l'ai dit. Pour l'arcaniste, elle sera cryo. Pour le chasseur, elle sera abyssale. Et pour le titan, elle sera solaire. C'est bien pour pouvoir combler. Euh, la combinaison des trois dégâts par, euh, par, euh, donc par personnage, bien évidemment, par race Voilà, donc je vous ai traduit euh, le nom de ces doctrines Donc des supers, des doctrines Donc le super de la doctrine euh, abyssale du chasseur devrait s'appeler arc de gravité Le super de l'arcaniste en cryo-électrique devrait s'appeler orage électrique Et le super du titan, donc pour sa doctrine solaire, devrait s'appeler le marteau flamboyant voilà, donc ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait déjà sorti une vidéo euh, il y a quelques mois avec vraiment tout le détail de ces doctrines, les grenades, etc. Donc je vous mets le lien directement sur la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous souhaitez aller faire un tour sur cette vidéo. Enfin, je souhaitais vous parler donc, du raid, parce que oui, il y aura bien un nouveau raid dans ce nouveau DLC. D'après, donc Onaku, on devrait avoir à tuer Oryx dans ce prochain DLC. Donc vraiment ça fait du bien parce qu'Orix ça fait un moment qu'on l'attend. Celui-là on connaît l'œil d'Orix, on connaît son fils, Cropta bien, bien entendu. Et là notre mission devrait être d'aller tuer Orix. Donc là c'est pareil, je vous ai mis un screen de Bungie à l'écran. Donc on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Peut-être la nouvelle race d'ennemis. C'est ce que vous voyez ici. En tout cas, voilà, rien n'est sûr. C'est pas, un, pas quelque chose qui a été confirmé par Bungie. Toujours est-il que peut-être Orix pourrait ressembler à ça. Et franchement, moi, ça me ferait kiffer parce que, voilà, franchement, ce petit screen il me fait bien kiffer. J'espère que cette vidéo vous a plu, les potes. N'hésitez pas à me laisser vos avis, ce que vous pensez de ce que, tout ce que je vous ai raconté, le contenu, le prix, le raid, ce que vous attendez dans ce DLC. Je vous dis une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt, les potes. Tous.